distance between you and me, this little skin of mine, breathing you already, feeling you everywhere, enrich my survival life. Every move, every step, every positive thought is just this little bit of skin of mine. Forse è arrivato il momento di comprendere le profonde motivazioni che spingono sua moglie Rita a fare queste azioni. E capirà il perché tutte le volte che Rita riceve un no, si trasforma e diventa un pericolo, un reale pericolo per lei e per tutta la sua famiglia. E je porte l'autre aussi. Lui il peut m'emmerder. Il peut dire, voilà, ta femme est enceinte de moi. Mais personne ne peut dire de qui vous êtes enceinte. Admettons que mon mari, il veut faire une prise de sang pour voir le groupe sanguin du bébé. Mais non, mais ça se passe pas comme ça. Vous voulez parler d'une recherche en paternité, c'est ça? Oui. Non, on fait pas des recherches en paternité comme ça. Je suis pas sûre, le bébé, c'est pas lui. Déjà, je lui portais plainte, parce qu'un jour, il m'a frappé. Il m'a fait couler la sonde dans la dent. Après, il court après moi pour me chercher chez ma belle-mère, en faisant le scandale et tout. Elle a dit, tu vas voir, je vais te foutre le bordel et tout. J'ai eu un grand rêve. Je voulais être une grande actrice. Mais je suis italienne et j'habite Paris. Et mon accent me trahit tout le temps. Je ne suis pas aussi mince que je l'étais. Je suis deux fois plus grosse qu'avant. Et vous savez, en Italie, tout est en fonction de combien tu pèses, de la taille que tu fais, de combien tu as, des gens que tu connais. Et jamais en fonction du talent que tu as. C'est pour ça que je suis venue en France, pour être prise sérieusement. Bonsoir, je suis la démonstratrice de Baba Mix. Bienvenue chez vous. Qu'est-ce que c'est ça? C'est Baba Mix. Allez, répétez avec moi. Baba, 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 Baba Mix. Vous allez couper les légumes, hacher la viande, râper le fromage. Vous allez pouvoir faire vos purées, vos pâtés veloutés pour le bébé. Et puis pâte à pizza, pâte à gâteau, du pain et des glaces. Alors, ultimo candidato della giornata. Che pazienza. L'ultimo. Beati gli ultimi. Ah. Dicono che saranno i primi, però vabbè, insomma, qui in Italia, in questo momento... Ah, posso? Io non lo conosco il signore, per cui... Ripeto, sono molto contenta. Voi siete il risultato di una lunga selezione che è stata fatta qui a Torino. 400 mail i primi due giorni. Poi abbiamo visto 100 persone alle selezioni. E finalmente... Eccoci qua. So che devo tornare a casa. So che davanti al ghiacciaio penso a mio padre e gli dico, aspettami. Devo tornare a casa per farmi riconoscere almeno ancora una volta. Ah, e quello che cosa brutta.